Ça va partir. Et le départ est validé du premier coup pour le prix du président de la République édition 2021. Ils sont 20 à prétendre au sacre dans cette course mythique. Et c'est bien sûr le Quintet Plus avec un très bon départ pour le long de la corde, Gamin d'Oudéry. Et en pleine piste isolée, lauréat du prix Car Simon, le puissant enfant roi. Filovent étant en troisième position devant Irjas ou encore Foudelis. Pour le moment, à l'arrière-garde, il a les deux juments, le Michael Serror, Golden Park et No Risk For You. Après une longue portion plate, direction le premier obstacle de ce parcours. Et c'est la haie du pavillon qui attend les 20 sauteurs de ce président de la République. Gamin d'Oudéry, numéro 3, la saute en tête devant Filovent, avec en troisième position Enfant Roi qui a été isolé en pleine piste par son partenaire du jour. Il s'agit de Bertrand Lestrade. En léger retrait se trouve Irja à sa hauteur de Foudelis sur le podium de l'édition précédente. Avec ensuite la présence de Darling Desbordes. À la corde, il y a Bandero, l'un des petits poids de l'épreuve. Fanfaron spécial est là également au centre. Kazakh Vert à son extérieur, le top weight. Dr Kaleo devant Gudari, le 18. Avec Odo Haas également qui patiente à l'arrière-garde. Tout comme Gentilhomme, No Risk For You. Gaborio, le favori Kazakh Bleu Ciel qui est parmi les derniers. Et concurrence au début de la ligne opposée, Gamin d'Oudéry, Enfant Roi, Filovent, sont pour le moment aux trois premières places. On retrouve en quatrième position, tout près d'eux, plutôt à l'extérieur, Darling Desbordes avec Irjas qui est tout près en cinquième position sur le Brook. On retrouve au cœur d'un peloton groupé Bandero, devant Bandero, Foudelis, à leur extérieur évolue en fanfaron spécial Dr Kaleo, Diffley Riveran, Evry Béret aux doigts, Sternkranz ensuite avec Gudari, avec Gentilhomme, Follow Me Soldier sur la plage d'Auteuil. No Risk For You est dans la seconde moitié du peloton devant le favori Gaborio qui est pour le moment en retrait, précédant seulement Golden Park et Django. Pas de problème sur le 8 pour l'ensemble des concurrents. Direction maintenant l'Auxerre. Gamin d'Oudéry, le numéro 3, qui montre toujours le chemin à ses adversaires. Mais Darling Desbordes, le numéro 6, est tout près de la tête, tout comme Enfant Roi. Alors que Filovent, le numéro 19, est toujours en embuscade derrière les animateurs. Côté corde, galope Foudelis. Fanfaron spécial s'est rapproché. Il vient maintenant en 6-7e position à hauteur du gris. C'est l'as Dr Kaleo. Diffley Riveran est avec Evry Béret, avec à la corde la présence du numéro 5, Irjas. À l'arrière, il y a Gentilhomme, Sternkranz, No Risk For You, accompagné également par Gudari, le tenant du titre, Django, est également parmi les derniers avec le favori de cette édition 2021, c'est le 7, Gaborio. Et c'est un autre 5 ans qui mène les troupes, Gamin d'Oudéry, lauréat de l'Easter Race sur l'hippodrome de Pau, Baptiste Leclerc en selle. En deuxième position, le puissant Enfant Roi est à 3 quarts de longueur de lui, 3e place pour Filovent. À la hauteur de Filovent, galope Darling Desbordes. Fanfaron spécial est ensuite en 5e position, légèrement isolé en dehors sur la double barrière, devant Foudelis, Sirjas ou encore Dr Kaleo. Derrière Dr Kaleo, Evry Béret, à son extérieur, il y a Diffley Riveran. Au centre, Odoas, le numéro 11, Bandero, le 20, juste devant lui. Gentilhomme, le numéro 13 ensuite, pour sauter la haie, qui sera tout à l'heure la dernière. Sternkranz est pour le moment en retrait, devant Follow Me Soldier, Gudari, Django, No Risk For You, Gaborio toujours en retrait, et Golden Park qui est dernière. Les choses sérieuses vont commencer puisqu'ils vont aborder maintenant le dernier tour de ce prix du président de la République. Gamin d'Oudéry, le numéro 3, accélère pour aller sauter la rivière. Il y en a sur toute la largeur de la piste. On a également Filovent, Enfant Roi et Fanfaron Spécial qui viennent à l'extérieur devant Dr Kaleo. Et tout le monde a bien franchi la rivière. Oui, c'est peut-être Diffley Riveran qui a perdu le plus de terrain en étant un tout petit peu regardant, mais pour le moment sans conséquence. Et direction ainsi le deuxième et dernier tour. Gamin d'Oudéry qui est toujours aux commandes, Filovent à son extérieur, Fanfaron Spécial en dehors. En dedans, il y a Darling Desbordes, Enfant Roi qui était en deuxième position à reculer. Il est maintenant 5 ou 6e en dehors. Irjas, Foudelis côté corde, alors qu'à l'arrière c'est devenu compliqué pour Golden Park qui semble-t-il va être arrêté dans le tournant. Le numéro 16 de Golden Park n'est plus en course dans ce président de la République. Tournant d'Auteuil, Gamin d'Oudéry a toujours le meilleur. Fanfaron Spécial s'est maintenant rapproché, il est en deuxième position. Filovent est toujours en bon rang, tout comme Darling Desbordes, le numéro 6 qui vient côté corde alors qu'ils vont maintenant aborder la piste extérieure des Steeplechase. Foudelis est à la corde, aux côtés également du numéro 5, Irjas, Enfant Roi qui vient à l'extérieur, au centre du peloton, et bien patiente toujours No Risk For You, accompagné par Bandero, Evry Béret à l'arrière. Le favori Gaborio qui patiente avec Gentilhomme. Direction maintenant le gros morceau du parcours, le Reidich and Fence, alors que le numéro 11 au doigt s'est perdu énormément de terrain. Le Reidich donc, Gamin d'Oudéry qui s'en va le découvrir seul. Darling Desbordes en deuxième position, Fanfaron Spécial qui est troisième. Chute de Diffley Riveran, chute également d'Evry Béret, alors que bien l'animateur a commis une hésitation. Gamin d'Oudéry, ce qui ne l'empêche pas néanmoins de conserver le meilleur pour aller franchir maintenant le moyen open ditch. Darling Desbordes qui est là tout près devant Filovent. Chute de Gaborio
Le numéro 7, le favori Coup de Théâtre, qui vient d'éjecter son partenaire, Docteur Caléo, hein, qui est toujours très bien placé, tout comme Enfant Roi, Fanfaron Spécial, Filovent et Bandero également, qui est derrière les premiers. Eric sur la dernière relais de la ligne opposée, et Gamin de Berry toujours aux commandes, Fanfaron Spécial, Docteur Caléo, Darling Desbordes, hein, les principaux acteurs du prix Lutteur 3 sont là, avec en cinquième position Enfant Roi, Filovent est toujours au centre, Bandero qui s'accroche, Irjaz qui tente d'en faire de même, Cassure ensuite pour retrouver Stern Grand, le tenant du titre Django qui essaie de revenir devant Foudelis. C'est dur pour Gudari et Norris que For You qui sont en retrait. La dernière ligne droite abordée en tête par Fanfaron Spécial qui va tenter de doubler la mise après sa victoire dans le prix Lutteur 3. Il a toujours le meilleur, mais sur son porte-bagages, il a Docteur Caléo, il a Enfant Roi, le lauréat du Car Simon, il a également Darling Desbordes. Filovent est un peu plus loin avec également Bandero. Incroyable match, ce sont les deux lauréats des préparatoires qui se retrouvent. Fanfaron Spécial, vainqueur du Lutteur 3, Enfant Roi, vainqueur du Car Simon qui se retrouve aux prises dans le prix du président de la République. Enfant Roi face à Fanfaron Spécial qui vont tenter de lutter contre le poids et vont lutter surtout l'un face à l'autre. Avec Fanfaron Spécial qui a pris un petit avantage sur Enfant Roi, mais Enfant Roi vient à sa hauteur. Fanfaron Spécial qui, après son succès dans le prix Lutteur 3, va doubler la mise en remportant le prix du président de la République. Et c'est historique, ça n'avait plus été réalisé depuis quelques mois. Fanfaron Spécial, nouvelle victoire pour Patrice Quinton. Félix De Gilles qui est étincelle. Enfant Roi est un magnifique dauphin. Bandero va venir en léger retrait prendre la troisième place devant Gamin Doudéry.